Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Merci d'être là en ce début de semaine, lundi 4 novembre 2019, 10h34, heure du Québec. Ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. On est déjà plus de 63 000 et merci d'être aussi nombreux en espérant que ce chiffre va continuer à croître. Freedom News Network, c'est juste pour nous, puis on parle de toutes sortes de choses. J'ai des collaborateurs partout dans le monde, les abonnés qui sont dévoués, qui nous envoient des liens et des informations tellement pertinentes. Surtout, d'ailleurs, je les remercie publiquement. On commence la semaine avec quelque chose de gros. Je vais vous partager une information que que je, sur laquelle je suis tombé hier soir. Parce que le soir, j'aime bien, je m'allonge avant d'aller dans les bras de Morphée, naviguer sur YouTube. Puis en passant, quand je navigue sur YouTube, je laisse les publicités rouler pour aider les créateurs. C'est comme ça qu'ils se financent. Je vous suggère de faire la même chose pour mes vidéos. C'est comme ça que vous nous encouragez en laissant retourner les vidéos. C'est comme ça qu'on fait un petit revenu pour pouvoir continuer à, naturellement, c'est des heures et des heures, à travailler, à partager des informations essentielles. Donc, je suis en train de naviguer, puis je me promène, je regarde toutes sortes de. En même temps, c'est de l'inspiration aussi. Hein, et je tombe sur quelque chose de vraiment, qui a, qui a vraiment, vraiment attiré mon attention. Parce qu'il y a des sujets où on est, hein, naturellement, tous plus attirés et plus sensibles à certains sujets que d'autres. Nikola Tesla, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Toutes ses recherches, même si je suis un novice, un néophyte, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de ses travaux qui auraient probablement permis une autre vie que celle qu'on a et des développement économique différent de ce qu'on vit. Enfin. Et ça parle des fréquences. Nicolas Tesla, on va aller voir une de ses euh, pensées hein, qui nous dit, If you want to find the secret of the universe, écoutez ce que Tesla dit, si vous voulez trouver le secret ou les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. C'est assez extraordinaire. Nicolas Tesla, hein, qui, a, qui a vécu à la fin du 19e, début 20e siècle, à qui on allait beaucoup de découvertes, d'ailleurs qui sont officielles maintenant, la radio, hein, les ondes courtes, euh, entre autres, peut-être l'énergie gratuite, des voitures électriques qui s'auto-alimentent, euh, enfin, tellement de choses, mais on a tout mis ça de côté pour privilégier naturellement les grands euh, investisseurs, les, les riches. Euh, de l'époque qui ont hein, naturellement mis ça de côté pour faire de l'argent avec l'hydroélectricité, avec le pétrole et ainsi de suite. Et là, c'est sous un angle de santé face au cancer, entre autres, qui est la maladie dans les pays industrialisés dans lesquels on vit, qui est la première cause de mortalité maintenant. Ça y est, c'est fait. Ça a été confirmé il y a quelques mois, je vous en avais parlé. Les statistiques confirment que le cancer est la première cause de décès, imaginez-vous. Et là, c'est là-dessus que ça tourne. Et là, je me dis, tiens, j'écoute ça, j'écoute ça. Et je me suis dit, il faut que je partage ça avec les abonnés. C'est en anglais. Ben, on ne va pas aller écouter la vidéo. Je vous laisserai le lien. Mais je vais vous le résumer le, du mieux possible. Puis vous, vous irez l'écouter, puis vous, vous verrez de quoi, il est, de quoi il est question. Donc, on parle, naturellement, on introduit cette, ce sujet-là avec... Euh, on parle des, des fréquences. Hein? On va aller tout de suite, on va essayer de, de voir. Euh, on pense que les fréquences, naturellement, qui font éclater, par exemple, le cristal, hein, euh, qui ont fait éclater, il nous donne l'exemple d'un pont aussi, le pont de Tacoma, euh, en, à Washington, qui avait été construit dans les années 40, et qui s'est effondré, selon l'hypothèse de ces gens-là, parce qu'une fréquence... Parce que ce pont-là a été construit dans un couloir de vent où il y a beaucoup de tempêtes, et que il y aurait eu une fréquence, on sait, les fréquences en hein, les Hertz euh, sont partout, sont dans, dans l'air, hein, sont dans la nature, les sons de la musique sont dans la nature. D'ailleurs, on a découvert les gammes euh, dans la nature. Toutes les notes sont dans la nature, dans les sons. Euh, des sons de la nature. Hein, quand tu frappes un objet. Euh... Là, il y a une note qui est là-dedans. Enfin, tout est une question de fréquence. Et les fréquences ont une puissance incroyable. Donc, ils ont analysé au microscope et ils ont essayé de trouver la fameuse fréquence magique qui pourrait venir détruire les cellules cancéreuses. Hein, parce qu'il y a une fréquence qui permet de faire éclaté un verre un ver de cristal, par exemple. Il y a eu ces fréquences qui sont localisées dans, la, dans, le, dans le pont, dans la structure du pont, qui ont résonné avec les fréquences du pont et qui ont créé une faiblesse qui a fait que le pont s'est euh, écroulé. Donc, ils sont à la recherche, ils étaient à la recherche des chercheurs de ces fameuses ou cette fameuse fréquence magique. Et ils, ils cherchaient, ils cherchaient, ils ont découvert. Il euh, n'y a, a rien qui arrivait, il n'y a rien qui arrivait, pendant qu'on était euh, en train d'étudier euh, ces fréquences-là. Hein, et soudainement, il y a quelque chose qui est arrivé. Ils ont essayé des centaines et des centaines de fréquences différentes. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent, on pense avoir trouvé la fameuse fréquence magique qui va révolutionner peut-être le monde. Hein. Donc, eux autres, ils pensent vraiment peut-être, ces chercheurs-là, avoir trouvé cette fameuse fréquence magique. Et on donne l'exemple de, on, vous allez voir dans la vidéo, on prend euh, deux fourchettes, de, ben, deux espèces de fourchettes d'acier, de, on les frappe dessus et ça émet des fréquences. Ils arrêtent de frapper sur cette fourchette-là et la fourchette qui est juste à côté, par transfert d'énergie, par résonance, va émettre exactement les mêmes fréquences comme dans, euh, quand on accorde des instruments de musique hein, ou à la même tonalité. Et ces fourchettes-là ont les deux vibré à 444 euh, fois par seconde. Elles étaient donc à 444, 440 Hertz. Donc, on dit que leur fréquence était de 40, 444 Hertz. C'est comme ça que ça marche au niveau des Hertz. Donc ils ont frappé cette petite fourchette-là en mettant euh, un peu de force et d'énergie. Et la deuxième a, fourchette, hein, a aussi réagi et vibré par résonance, par sympathie, à la même fréquence que... La première fourchette, vous allez voir, on donne, vous allez voir l'exemple ici qu'on donne avec euh, l'individu en question qui fait l'expérience le, devant nos yeux. Et pourquoi ça se passe, tout ça? C'est parce qu'elles sont exactement hein, euh, accordées à la même, même, même fréquence. On a ces gens qui font hein, éclater des verres et, de cristal, et comment ils font ça? Hein, plusieurs d'entre vous avez -vous vu, vous avez souvent vu euh, ces expériences-là, ou par exemple celui de ce jeune homme-là qui, qui a fait un tabac sur Internet et qui fait éclater un verre de cristal avec sa voix puissante. Mais avant de le faire éclater, il, il, il cogne sur le verre pour entendre dans son oreille, pour enregistrer cette, ce son, hein, exactement ce son qui, dans le fond... Et la fréquence aussi qui est émise par le geste de frapper sur le verre. Et il fait vraiment attention et il se concentre vraiment. Et par la suite, ça s'en va dans son oreille, ça s'enregistre. Et c'est à ce moment-là que lui prend une grande respiration, profonde ses poumons et lâche la fameuse note qui va provoquer la résonance qui va être en harmonie avec celle du verre de cristal. Il va tenir cette note-là et cette note-là jusqu'à ce que le verre éclate. Même chose avec ce fameux pont dont on, je vous parlais tout à l'heure, où on voit que ce pont-là a été construit dans un corridor où il y a beaucoup de vent et de tempête. Donc, on a construit ce pont-là malheureusement hein, euh, tout un, dans ce cou couloir-là. Qui frappait et frappait euh, sur ce, cette structure. Et ça a commencé à provoquer petite vibration dans le pont qui n'était pas euh, perceptible par, euh, par, les, les, par les humains, par, par les ingénieurs. À peine perceptible, mais, mais absolument pas perceptible, mais cette vibra vibration était identique à celle qui résonnait et qui, est, qui était une des fréquences d'une des parties du pont. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Même principe qu'avec le verre, même principe qu'avec, plus tard on va le voir avec les cellules, et oui, il y a eu une harmonie qui s'est créée et le, avec cette vibration qui est devenue de plus en plus grande et plus grande et plus grande, jusqu'à ce que le pont... s'effondre dans la rivière en dessous, dans une résonance, une fréquence destructive. Donc on est parti d'un on, on a vu que d'un verre de cristal, hein, sur l'échelle de grandeur, à un grand pont de béton et d'acier qui a aussi été détruit par la résonance. Donc on a une piste incroyable. Hein, ce verre, et donc on s'est dit, est-ce que quelque chose de plus petit, de tellement petit, qui peut être que vu qu'au microscope, pourrait être aussi influencé et se faire détruire et éclater par des fréquences? Hein? Et c'est ce que ces chercheurs-là ont commencé à faire, d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire éclater même un un, un micro-organisme vivant hein, le faire le détruire le faire éclater comme on a fait avec le verre et ça pourrait changer totalement hein, euh, tout ce qu'on connaît de la du liquide de, par des signaux électroniques ou changer la, 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 la biologie de cellulaire d'un d'un corps et parce que là on vise naturellement le traitement de maladies le traitement de cancer et il y a un médecin euh, James Barr qui a introduit et qui a construit et qui a créé ou qui a inventé cette espèce de d'appareil qui euh, a pour but et ça c'est hein, naturellement c'est protégé son appareil par le, le les, les brevets d'invention par euh, ce physicien, un physicien, un docteur, James Barr de, du Nouveau-Mexique. Et on voit ici euh, cette fameuse euh, idée de James Barr. Hein? Au cours des années 80, et au, au cours des 80 dernières années, divers appareils thérapeutiques électroniques ont été mis au point pour exploiter le phénomène de résonance dans le traitement de maladies. Le premier d'entre eux était l'ossie. Euh, l'ocyoclast mis au point par Albert Ab euh, et Ab Abrams, moi je pense, hein, vers 1920. Plus de 2000 de ces machines ont été produites et se sont révélées très efficaces contre diverses maladies, j'imagine, ou problèmes physiques. L'ocyoclast était essentiellement un émetteur très faible utilisant un circuit à transitor à deux tubes et une petite bobine de Tesla. Cette combinaison a produit une forme d'onde pulsée qui ressemblait beaucoup plus qui me ressemblait beaucoup à une impulsion nerveuse unique. Une impulsion nerveuse ressemble grossièrement à une onde carrée lorsque vue sur un oscilloscope. L'oscilloscope était placé près du corps du patient et serait couplé au patient tout au long du processus d'induction. La fréquence de diffusion de l'unité variait légèrement pour traiter différentes plaintes physiques ou problèmes physiques. La fréquence du pouls d'environ 90 cycles par minute était maintenue statique. Peu de temps après, 1920, l'oscillateur à ondes multiples a été mis au point par George Lakowski en France et fonctionnait selon le principe de la résonance d'un objet vers une onde radioélectrique non modulée à très large bande passante en utilisant un Tesla coil, encore une fois, le fa la fameuse bobine Tesla, ou un émetteur radio à large bande similaire. Lakowski placerait le patient entre deux antennes multicirculaires à large bande, ce qui permettrait à son corps d'être exposé aux ondes radio qui passent entre les antennes. La théorie était que le malade était un en, et, <coughs> la maladie pardon, était un état de non-résonance dans le corps et que le champ euh, à ondes multiples, cette zone malade, reviendrait à sa fréquence de résonance appropriée. Cet appareil a assez bien fonctionné et des livres sur la construction d'un appareil en état de marche. Sont disponibles. La version ultérieure de cette machine utilisait des tubes spéciaux développés et brevetés par Lakowski, qui agissaient comme des antennes à large bande. Le troisième appareil mis au point au milieu des années 20 provient de l'esprit fertile du docteur Royal R. Riff. Ou Rife, le docteur Rife, a mis au point un dispositif qui, à mon avis, a commencé comme un analogue électrique de l'occioplaste et a ensuite été développé pour devenir un produit tout à fait unique. Au lieu de pulser une onde radio non modulée, le docteur Rife a placé une onde carrée. Rappelez-vous que c'est comme une impulsion nerveuse sur l'onde radio et, d'une manière inconnue pour moi, a découvert qu'un plasma gazeux Couplerait efficacement l'onde radio et son effet modulé, vague audio du corps au corps du patient. Le docteur Riff, utilisant le concept connu selon lequel les impulsions nerveuses se produisent à des vitesses différentes, a apparemment essayé de modifier la fréquence, ou devrais-je dire, la fréquence des ondes carrées. Il y a à peu près, à peu près plus de trois ans, en janvier 1996, le dispositif Riff Bar. A été rendu public en janvier 1996, il n'existait que deux appareils à la fois inventeurs. Aujourd'hui, le nombre d'appareils euh, RB existant dans le monde entier est estimé entre 300, euh, 3500 et 6000. La croissance a été si spectaculaire qu'une industrie mondiale, petite mais en pleine croissance, a été créée pour fournir des pièces pour l'appareil. Des pièces sont maintenant fabriquées en Ukraine, au Canada et aux États-Unis, en Corée et en Thaïlande pour n'en nommer que quelques-uns. Des composants développés sur mesure, notamment des cartes enfichables par ordinateur avec logiciel, des générateurs de fréquence, des accordeurs d'impédance conçus spécifiquement pour les tubes à placement et des tubes à placement fabriqués à partir de tous les types de verres sont actuellement disponibles. Les tubes en provenance d'Ukraine sont en fait conçus sur mesure pour fonctionner à l'énergie radiofréquence et non l'électricité. Il existe maintenant des fabricants d'appareils avec des sociétés de distribution établies dans plusieurs pays, notamment Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande et Allemagne. Allemagne pardon. Des similitudes peuvent être facilement tirés au début du marketing commercial, des lasers et des ordinateurs. Cette petite industrie est actuellement une entreprise de plusieurs millions de dollars qui continue à se développer. Personne ne gagne actuellement beaucoup d'argent. Ce sont les ventes combinées de pièces et d'appareils qui donnent des chiffres aussi étonnants. La grande majorité de ces machines sont construites à la main par des particuliers. Euh, de vastes connaissances techniques ne sont pas nécessaires pour construire un appareil. Quelques compétences de base sont suffisantes. Toutes les pièces de l'appareil sont essentiellement disponibles dans le commerce et se branchent avec un minimum de modifications. L'appareil RB, hein, on le voit ici, l'appareil, l'un des attributs les plus uniques du périphérique est qu'il peut facilement être utilisé simultanément sur des groupes entiers de personnes. Le champ actif s'étend. Euh, vers l'extérieur, à environ 20 mètres de la plupart des appareils. Tout ce qui se trouve dans ce champ sera affecté par le périphérique. Le docteur Barr, inventeur de l'instrument Riff Barr, délivré par, le, délivré par le brevet américain, présentera le dispositif et montrera une cassette vidéo du dispositif, détruisant divers micro-organismes lors de la résonance, lors de la conférence de recherche exotique de Seattle. Donc, ça a déjà été fait. Donc, ça, c'est pas nouveau, ça. Donc, ça a déjà été fait. Hein, et on a, euh, on continue avec notre euh, recherche. Donc, le Dr. Barr hein, a mis au point cette machine-là et, euh, naturellement, a euh, breveté son invention, son invention. Et on appelle, cette on appelle cet appareil l'appareil de thérapie de résonance euh, à fréquence, hein, fréquence par résonance, ou en tout cas quelque chose comme ça. Et. On introduit cette résonance-là dans l'organisme vivant, la fameuse cellule. Et naturellement, on essaye, on a essayé toutes les fréquences. On a commencé avec 100, avec 100 Hertz. Après ça, on l'a laissé. On est allé à 101, 102, 103. Et on en a fait des tests et des tests et des tests et des tests et des, tests et des centaines et des centaines, 200. Et ils ont, ils essayaient à la recherche de cette fameuse fréquence magique qu'on a finalement trouvée parce qu'à rendu à un certain niveau, on a vu que ça commençait et qu'il y a quelque chose qui était en train de se produire. Hein? Et on a commencé à voir des cellules et ça usait. Donc, on attendait, on attendait. Ils sont allés à 100, 101, 102, 103. Ils n'avaient pas trouvé encore cette fameuse fréquence magique. Et finalement, ils ont trouvé une fréquence. Hein? qui était 11 fois plus forte que la plus basse à laquelle on, on avait eu une réponse. Et finalement, on a réussi, avec tout ça, c'est comme si on parlait de la onzième harmonique, hein, à voir qu'il y avait exactement le même phénomène avec cette onzième harmonique qu'on avait trouvée, qui est située entre à peu près 100 000 à 300 000. Imaginez-vous. Hein, euh, Hertz, que ce micro-organisme-là commençait à éclater comme le fameux verre de cristal. Vraiment fascinant. Et ils ont vu que les premières. Ils ont pris des premières vidéos de tout ça hein, sur les plaquettes. C'est les fameuses vidéos de ce fameux médecin dont on parlait tout à l'heure. Et ils ont partagé ça avec les, les biologistes, les scientifiques. Hein. Ces gens-là ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable avant. C'est la première fois qu'ils voyaient un tel phénomène où on voyait les cellules cancéreuses, par exemple. On a fait des tests et on voyait que, les, avec ces signaux électroniques, que les organismes commençaient à éclater, à s'éclater. Hein? Et cette fréquence-là qu'on a trouvée, c'était, comme je vous le disais, entre 100 000 et 300 000 Hertz. Et c'est là qu'on a découvert que... Le cancer était vulnérable entre ses fréquences de 100 000 et 300 000 Hertz. Et on a vu ce phénomène-là commencer à se développer devant leurs yeux. Par exemple, des cellules de leucémie hein, ont commencé à éclater par douzaines en fragments et en fragments jusqu'à ce qu'on arrive à la cellule souche du cancer, qui elle aussi, parce qu'on essayait de se recopier, les cellules essayaient de se recopler, recopier, mais elles étaient toutes, elles aussi, par douzaines, en éclatement, jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse cellule souche, où elle aussi hein, a été complètement, elle enflait, gonflait, gonflait, et aussi éclatait et mourait. Donc, je ne sais pas... Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Naturellement, ça ne semble pas être hein, la voie que la médecine traditionnelle semble suivre. Mais toutes les cellules originales de cancer sont toutes mortes, éclatées avec l'exposition à ces fréquences-là. Donc, c'est une piste, naturellement, que hein, je pense pas que les médecins, je ne pense pas que nos gouvernements s'en aille dans ce genre de piste-là, mais c'est moi je vous transmets cette information-là parce que je pense qu'on n'y qu a, plus... a pas aucune preuve à faire qu'on nous cache des choses, hein? qu'on ne veut pas nous rendre disponibles des choses qui ne coûteraient pas cher, qui sauveraient des vies, qui mettraient en péril l'industrie pharmaceutique mondiale, hein, qui est beaucoup plus rentable que le pétrole, que l'or et le diamant combinés, l'industrie de la maladie. L'industrie de l'énergie aussi. Pensez à ce qui pourrait arriver si on avait, puis si on voulait vraiment mettre à disponibilité des humains l'énergie gratuite, qui apparemment, selon Tesla, est là. Et selon plusieurs aussi. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je voulais vous partager ça. Parce que je sais que vous êtes intéressés par ça, comme vous êtes intéressés par les changements climatiques, pour les comprendre. Qu'est-ce qui est exactement la source des changements climatiques, les cycles, comprendre aussi ce qui se passe avec l'univers, comprendre aussi qu'il y a probablement hein, une vie aussi euh, extérieure à la Terre. Je sais que vous êtes déjà intéressé partout, mais je savais que ça, c'était vraiment pour vous intéresser au plus haut niveau, et que je voulais vous le partager. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo-là dans la boîte de description, que vous pourrez aller euh, voir vous-même. Mais franchement, c'est essentiel de comprendre que tout ça, c'est là. Que tu as des gens qui sont là, comme Tesla à l'époque, qui est plus là qui est mort, mais qui a laissé des. L'œuvre des, 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 hein, euh, de, de Tesla est là. Il y a des gens qui sont, sont intéressés, puis tu as des gens encore aujourd'hui qui travaillent dans le même esprit de Tesla. Hein. Et il ne faut pas oublier que ce qui est important, et je pense que c'est essentiel de comprendre ce que Tesla nous a dit. If you want to find the secret of the universe, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Je ne peux plus rien rajouter. Je vous reviens.